bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour Sam. Le soleil est un peu plus au rendez-vous que la semaine dernière apparemment. Oui, il semblerait. Très bien. Plus bon, en plus. Ouais, un peu de plus. C'est pas de mal, vous allez avoir un petit bronzage très sympathique. Un coup de soleil. Alors cette semaine, on va parler d'une décision, enfin un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a pour objet le système AdWords de Google. Pour mémoire, le système AdWords de Google est un système utilisé par les annonceurs qui choisissent des mots-clés pour référencer au mieux leur site internet. Donc, Google propose ce système dans lequel l'annonceur choisit lui-même des mots-clés qu'il saisit ou bien utilise le générateur de mots-clés de Google et choisit parmi la liste des mots proposés par Google pour référencer au mieux son site internet. Ce qui lui permet en fait d'apparaître dans les meilleurs résultats de Google, mais surtout sous la partie liens commerciaux. On va voir que son site internet est mis en valeur soit en haut à gauche sur fond jaune, c'est très connu, soit sur la partie droite de la page de résultats. Mais le client peut décider lui-même de mettre des mots-clés propres à lui, c'est-à-dire qu'il peut décider de composer un petit peu sa propre cuisine en fait. Mais Google en fait intervient en proposant à l'annonceur d'obtenir un meilleur référencement en choisissant des mots-clés pertinents que Google aura choisi lui-même en fait. Et proposer, donne une liste faire des propositions. Et l'annonceur choisit parmi cette liste. L'intérêt de Google étant que à chaque fois qu'un internaute va cliquer sur le site internet de l'annonceur, ça va générer un gain commercial pour Google. Donc ça doit être de l'ordre de 0,05 centimes d'euros, mais au nombre de clics, voilà, ça va générer un nombre important. Donc la société TWD Industries est titulaire de la marque Remote Anything et elle a pu constater en fait qu'en saisissant sa marque dans la barre de recherche de Google, ça donnait lieu à une page de résultats donnant lieu à des sites internet concurrents avec des produits et services similaires, donc forcément ça ne lui a pas plu et il a engagé une action auprès du tribunal de grande instance de Nice qu'il a débouté dans sa demande. Il a fait appel de cette décision et on se retrouve à ce moment-là devant la cour d'appel d'Aix. La cour d'appel d'Aix a pris en compte plusieurs faits, notamment que le mot-clé utilisé est identique à la marque, qu'en plus l'utilisation de ce mot-clé donne lieu à des résultats qui débouchent sur des sites internet concurrents et qui renvoient en plus vers des produits et services identiques. Donc on a clairement une contrefaçon de la marque à ce moment-là. L'argument de Google, c'est de dire, bon ben ok, mais je ne peux pas contrôler, c'est un système automatique, donc je ne peux rien faire, je dégage ma responsabilité. Alors la cour d'appel est ferme de ce point de vue-là et estime que, ok, Google ne peut pas vérifier en amont l'utilisation de ces mots-clés, mais dans ces cas-là, soit il engage sa responsabilité, soit il coupe son service. Donc il faut bien que Google, en ayant une rétribution financière, assume ce risque ou ne l'assume pas. Ensuite, on voit que Google, en plus, a un rôle actif, puisqu'il incite les annonceurs à utiliser son générateur de mots-clés pour obtenir un meilleur référencement. Donc vraiment, Google doit engager sa responsabilité et assumer la responsabilité de ses actes, en fait. Parce que Google, en fait, propose directement des noms particuliers, des mots-clés particuliers. Oui. C'est pas le seul choix de l'annonceur, c'est aussi le choix de Google. Dans lequel figurait aussi ce nom. Voilà, cette marque qui était déposée, en fait. Google dit aussi qu'il met en garde l'annonceur en disant « vous êtes responsable d'utiliser des mots qui ne portent pas atteinte à des tiers ». Là encore, c'est insuffisant pour la cour d'appel qui condamne Google au titre de la contrefaçon à 15 000 euros de dommages et intérêts. En cour d'appel, on peut estimer que ces dommages et intérêts sont relativement limités. Alors en fait, la cour d'appel est très pragmatique, elle a pris en compte certains éléments de fait. Qui sont notamment que le titulaire a tardé quand même à signer Google. Enfin, tardé, on trouve ça un petit peu sévère quand même parce que 5 mois entre le moment où il découvre les faits et la signation au prix du TGI de Nice, c'est quand même un petit peu... C'est assez court en fait. C'est quand même relativement court. En revanche, là où ils le sanctionnent, et ils n'ont peut-être pas forcément tort, c'est que le requérant aurait pu envoyer de la mise en demeure à Google, ce qu'il n'a pas fait, il a directement assigné. Donc à partir de là, à partir du moment où l'assignation a été déclarée à Google, Google a réagi très vite.
Donc, quelque part, on peut imaginer que Google était de bonne foi, et je pense que c'est ça que la Cour d'appel a voulu récompenser en limitant un petit peu les dommages d'intérêt, en fait. Ça veut dire qu'une personne qui se sent lésée dans ces mêmes circonstances, en fait, la première chose qu'elle doit faire, c'est d'adresser une lettre recommandée à l'accusé de réception qu'elle peut composer elle-même, en fait. Elle peut dire très clairement à Google, voilà son grief, et donc s'exprimer... Toujours exposer les motifs, oui, dans la lettre de mise en demeure. En tout cas, même s'il engage une procédure, au moins, il faut qu'il y ait un écrit ou un... on va dire une date certaine sur une action qu'ils pourraient mener. Quoi. Mais disons qu'ils auront tenté en fait une démarche amiable, ce qui est toujours intéressant parce que ça permet éventuellement de régler le litige de manière un peu plus rapide. Et faire cesser le préjudice rapidement aussi, voilà. Parce que c'est quand même ça qui compte. Quand même. De manière moins onéreuse aussi que d'aller faire une action devant les tribunaux. Parfait, très bien. Bon, bah, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.